Bon, salut à tous, bonsoir à tous pour cette soirée un petit peu improvisée, on va le dire, faut l'avouer. Donc, en fait, je me posais la question pendant que je préparais, je faisais des tests ce soir et je me suis dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Non, je lui dis, on va faire un live. Donc, et ensuite est venue cette réflexion. On va remettre une autre petite musique. Elle vous a plu celle-là? Eh bon, on la garde, on la laisse. Donc oui, alors après je me suis posé la question, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut faire comme... qu'est-ce que je peux faire? Alors j'ai pris une petite douche, etc., etc. Et je me suis dit comme si on est encore en phase de test, etc. Il n'y aura pas vraiment de sujet hyper... de fond, etc. Et je me suis dit, putain, je me souviens quand j'allais dans une salle d'arcade quand j'étais gosse. Et comme je me suis dit que c'est une soirée spéciale arcade, en fait, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir tester comme jeu. Et en fin de compte, je me suis dit, bah, putain, mais souviens-toi quand t'allais dans cette fameuse salle, tu voyais des jeux. Il y a des jeux qui t'ont marqué à vie. Il y a des jeux qui m'ont marqué à vie, en fait. Et j'allais avec ma mère je peux le dire maintenant parce que j'y suis plus, donc même si vous essayez de me retrouver, vous ne me retrouverez pas. Mais en fait, j'habitais dans le 9-3 chez West Coast. Et j'habitais dans le 9-3 à l'époque et j'allais dans un centre commercial qui s'appelait Ronnie 2. Et il s'appelle toujours Ronnie 2. Et ce qu'il y a en fait, c'est que j'allais dans ce fameux centre commercial, je jouais de temps en temps au jeu, mais pour autant, en fait, je passais des heures, je pouvais passer des... Bon, j'y allais avec ma mère, donc c'est dans les années 80, je devais avoir à peu près... j'étais petit, quoi. Fin des années 80. Et je restais devant... les bornes, et je me souviens, il y avait un espèce... McDo existait, même McDo, il s'était pas encore très... Je sais même plus s'il y en avait des McDo, c'était pas très répandu à l'époque. Et je me souviens, je prenais toujours un hamburger, et je bouffais un hamburger, à chaque fois, c'était un rite devant dans cette salle d'arcade. Donc, pour vous dire que je restais 10 ou 20 minutes, parce que ma mère, on dit, allez, vas-y, dégage, on y va, on va pas rester, on va pas passer notre temps dans la salle. Et je passais mon temps à manger, mon hamburger. C'était vraiment un rite et je regardais les bornes, voilà, et je restais devant. Et mon kiff, c'était aussi de regarder les jeux, quoi. C'était pas forcément d'y jouer et c'est pour ça que même aujourd'hui, ça perdure, parce que j'aime bien des fois, quand je suis en soirée avec des potes, ils me disent, bah vas-y, joue. Je dis, non, mais moi, j'aime bien regarder. Et en fait, ça vient de là, c'est-à-dire que j'étais habitué, étant gosse, à rester devant une borne. J'y jouais de temps en temps, ma mère me donnait une petite pièce et tout. Et en fin de compte, ce que je faisais, c'est que je regardais les jeux, voilà. Donc, ce que je vais faire ce soir, on va jouer aux jeux ceux que je regardais quand j'allais dans cette fameuse salle. Et vous allez voir un petit peu les jeux avec l'évolution et tout. Donc c'est une totale impro, je vais les choisir pas dans un ordre chronologique. Et le tout premier auquel on va jouer, c'est donc, on va jouer... J'ai mis Mr... Chinobi! Ça faisait partie des jeux où je pouvais rester comme ça, comme un con à le regarder. Et vous me direz aujourd'hui, mais il est vraiment teubé le mec. Donc voilà, donc vous êtes tous là, ça vous plaît? Est-ce que l'idée de la soirée vous plaît? Alors juste pour info, cette salle qui était à Ronnie 2 à l'époque, dans le 93, ça s'appelait le Strike. De mémoire, ça s'appelait Strike. Un truc comme ça. Donc on va passer en mode jeu. Donc on va jouer à Shinobi. De mon souvenir, alors je suis pas un pro de ce jeu, mais pour autant j'y ai beaucoup joué sur Master System parce qu'après il est sorti sur Master System et tout. Donc voilà, alors si vous avez des expériences sur Shinobi, n'hésitez pas à me les faire partager. Alors dites-vous une chose, c'est que je suis seul. Donc pour lire vos messages, ça va pas être évident. Donc top idée, retour vers le passé, TurboGraph. Oui, on va essayer. Donc
ce jeu est sorti, et ça commence très bien, en 1987, si je dis pas de bêtises. Et donc, effectivement, à l'époque, ça devait être à cette époque-là, effectivement, que je devais squatter la salle. C'était pas après, de toute façon, ça m'étonnerait, même 87, 88, ça devait être cette période-là. Donc, il y en a, ils vont se dire, putain, il est vieux, le mec, qu'est-ce qui se passe? Donc, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des petits soucis de son ou quoi, qu'est-ce, hein, on est là en mode freestyle. Donc, allez, on va se faire un petit shinobi. Oui, alors qu'est-ce que je pouvais vous dire sur ce jeu-là? Bon, bah, parce que vous aimez bien les rétro game tests, est-ce que c'est marrant parce que pour le coup, là, je suis seul. Donc là, on va vraiment se rendre compte, on va se dire, ouais, Wawa, il est zéro ou pas? Parce que là, il est tout seul, il n'y a personne à côté de lui. Comment il va s'en sortir? Comment je vais m'en sortir à tester des jeux? Alors, du son, qui veut du son? Mais il y a du son. Donc, il y a du son, automatiquement, vous avez du son. Ne me dites pas que vous n'avez pas de son, c'est pas possible. Donc là, on est au deuxième stage. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, là, on avait un espèce de personnage qui ressemblait à Spider-Man. C'était pas encore... Bah, voilà, là. C'était pas encore... c'était un peu masqué. Mais plus tard, dans Revenge of Shinobi, ils iront plus cash. Mais quand ils sortiront aux États-Unis, le jeu, en fait, ils feront plein de coupures, de censure. Parce qu'il y avait Batman, Terminator, il y avait même Rambo, il y avait Godzilla. Et plus tard, ils font quelques petites censures. Enfin, c'est des auto-censures pour éviter des soucis, en fait. Comment on peut dire de... Ils avaient prévu le coup un petit peu à l'avance. Donc là... Non! Putain, j'ai cru que j'allais me niquer. Donc n'hésitez pas à me dire si vous y avez joué, vous, à l'époque, si c'est un jeu qui vous a plu et tout. Si ça vous plaît même que je teste ce jeu-là, ça se trouve, dites, mais non, mais moi, on veut pas ce jeu-là. Change. Oh putain, c'est le boss. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh là 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 là. Oh non, non, c'est... Eh. En plus, j'avais le pistolet, donc vraiment... Alors, attendez. Là, ça va vraiment être un truc de ouf. J'arrive, je vais lire vos commentaires après. Mais là, pour le moment, laissez-moi un petit peu le temps de... Attendez. Mais comment je suis con de vouloir jouer à ce genre de jeu? Mais non, mais je suis trop con. Heureusement qu'il y a les crédits, mais je suis trop con. Ouais, c'est vrai que les jeux arcade, c'est chaud. C'est un truc de ouf. Alors, attends. Il faut vraiment... Alors, voilà. Il tire une deuxième fois. Tac. Non, mais c'est un... Truc de ouf! C'est vrai qu'on... Voilà, c'est ça. C'est que le problème, c'est que c'est les petits sauts. Voilà. Et ça me rend ouf. Ça se trouve, on va y jouer... Ah, j'aurais dû mettre mon chronomètre pour chronométrer l'émission, bien sûr. Alors, attendez, je vais essayer de le fumer. Tu vois, vous voyez? Oh, il faut vraiment... C'est comme sur la version Mega Drive. Il faut, quand vous redescendez, il faut... En même temps, oui, mais je rajoute des crédits, c'est gratuit aujourd'hui. À l'époque, j'avais pas d'argent. Enfin, j'avais pas d'argent, c'est que c'était, ça coûtait cher quand même. Imaginez-vous que ma mère, en fait, elle me donnait de l'argent, elle me donnait 10 francs. Et au bout de 2 minutes, j'étais mort. Elle me dit, attends, c'est quoi ça? 10 minutes pour 10 francs pour 10 minutes de jeu. Enfin, 2 minutes de jeu, même pas. Même. Enfin, c'était. À l'époque, imaginez-vous quand vous êtes gosse et tout ça. Quand vous voyez jouer des enfants aujourd'hui, que vous les voyez en train de devenir fou devant une. Devant une manette et tout, qui savent pas jouer. Et bah dites-vous que c'était exactement ça. Et je vois que j'aurais dû fermer ma page Facebook. Parce que je vais recevoir des notifications. Non mais, c'est les patterns de ce boss. Faut viser le casque à rond 2105. Oui, oui, j'imagine bien qu'il faut le viser. Voilà. Ah oui, heureusement que t'es là. Non mais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. C'est ce que j'essaye de faire. Mais en fait, pour le moment, j'y arrive. Dites-vous que, franchement, c'est limite. Alors, en fait, moi, je sais qu'à l'époque, on peut arriver et le bourriner en 2 secondes. Vous voyez? Eh, mais c'est un truc de ouf! Eh, on se laisse encore 2 minutes, et si vraiment on n'y arrive pas, vous pourrez dire que je suis un vrai loser. Oui, oui. Ouais, bon. Ça fige. Ouais, bah, je suis désolé. Après, ça dépend de vos connexions, les gars. Hein, donc, ceux qui regardent sur YouTube, ils n'ont aucun problème parce que bah, pour eux, ça fiche pas, c'est enregistré. Mais pour vous, effectivement, qui regardez en live, eh, mais ça me rend ouf! Mais vas-y, c'est pas possible! En plus, ma pizza, elle est en train de refroidir, là. Donc voilà, donc on va quand même essayer. Non, mais c'est pas possible! Alors, pour le coup, est-ce que... Pour ma défense... Est-ce que pour ma défense... Putain, je... Attends. Non! Putain, mais non!
Vas-y, il est relou, putain. Je l'avais touché trois fois, je crois que c'est trois ou quatre... Non, mais c'est pas possible. En plus, les patterns, on a l'impression... J'ai l'impression que c'est Red Armor dans Makaimura, Dai Makaimura, Guzengos, etc. Là. Alors, premier lan. Déjà, voilà, j'ai foiré mon coup, là. Déjà, je devrais l'avoir touché dès le début. J'aurais optimisé mes chances de... Voilà, là, je vais... Mais non, mais oui, comme par hasard. En plus, il me touche direct après. Vas-y. Bon, dites-moi si vous voulez qu'on change de jeu, parce que là, ma soirée... Ah, putain. Pourtant, en plus, après, pour le coup, c'est un jeu que je maîtrise. Mais vraiment, ce boss... Mais parce que j'ai... Là, bam, non, ouais. Non, mais putain, mais je... Non, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Non, hé. Hé, je vous assure que là... Alors, on me dit qu'on n'entend rien du son du jeu. Ah bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va monter un tout petit peu. Voilà. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Merde! Phil, putain, tu m'as fait... Bah vas-y, maintenant je suis mort. Attends. Merde, maintenant je pouvais pas mettre... Bon! Cette soirée commence très bien. On va passer au second jeu. Au second jeu qui a fait partie de ma petite de mes petites excursions dans le monde de l'arcade à cette époque, dans les années 80, où je mangeais mon fameux hamburger. Et là, pour le coup, je mange des pizzas, donc je suis pas très raccord avec mon histoire. Alors, je me souviens qu'il y avait ce jeu-là, qui est entre autres. Est-ce que je l'ai? Mais c'est pas vrai. Ah. C'est quoi cette histoire? Pour qui s'est pris lui? Il a voulu me faire croire qu'il était pas là. Ok, donc deuxième jeu de l'époque. Ah, quel jeu c'est? Golden Axe. Donc voilà, donc c'était Golden Axe. C'était aussi, il faisait partie des fameux jeux où je restais comme un con, je mangeais un hamburger à l'ancienne. Donc je sais pas si vous connaissez Golden Axe, dites-moi. Alors on me demande tout à l'heure, Apple Dux, c'était sur quel support? Donc c'est un jeu arcade sur lequel on a joué à l'instant, c'était le Shinobi sur arcade. Et donc... alors qu'est-ce que vous avez à dire un petit peu avant que... Ah, les vrais ceux contre, il y en a qui connaissaient pas Shinobi, c'est juste pas possible. J'ai juste pas envie de vous croire, je me dis que c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, on va commencer. Golden Axe. Putain, j'ai déjà mis 8 crédits, comment ça se fait? Je me suis même pas vu les mettre, ces 8 crédits. Alors, ce jeu-là est sorti aussi, je crois, si je dis pas de bêtises, en 87. Il est fait par la Team Shinobi. Qui plus tard fera Alien Soldier, fera Street of Rage. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois, et d'autres, hein, peut-être que je bloque sur le coup, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois, il y aura toujours des clins d'œil, en fait, sur ces fameux jeux. Donc on est... je sais, alors le scénario, je le sais même pas. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous connaissez le scénar du jeu. Parce que je m'en souviens plus, en fait. Et là, pour le coup... On va pouvoir avancer. C'est peut-être sur ce jeu-là que j'aurais dû commencer. Alors là, c'est les petits, on leur donne un petit coup. Dites-moi si au niveau du son, parce que... On m'a envoyé un texto pour me dire, il n'y a pas le son du jeu. C'est-à-dire que vous l'aviez, mais vous l'aviez peut-être pas assez fort, parce qu'effectivement, ma voix est assez présente maintenant, depuis que j'ai acheté ces fameux micros. Donc... Ah, ce jeu-là, à l'époque, moi, je le squattais visuellement dans la salle d'arcade. Mais c'est un truc de ouf, hein, c'est vrai que... Et je vous raconterai une anecdote avec Sonic. Et je m'en souviens plus vraiment, mais je... Ouais, enfin bon, je vous la raconterai. Et je squattais donc la salle, donc sans vraiment y jouer. J'y avais joué, mais en bout de 2 minutes, c'est-à-dire que je perdais, hein. Donc ma mère, elle m'a vite dit, c'est bon, t'arrêtes tes trucs, là. Et je l'ai eu sur Mega Drive après. Et pour le coup, la version Mega Drive était plutôt assez réussie. Et très proche de l'arcade, malgré tout. Graphiquement, là, vous le voyez, en fait, on aurait tendance à se dire que le jeu a quand même
pas mal vieilli parce qu'on peut voir dans les décors, il n'y a pas grand chose. Il se passe pas grand chose. Donc il a pas mal vieilli ce jeu. Vous voyez, par exemple, on se dirait que ça, c'est un jeu d'arcade de l'époque. Les géants, ils pourraient, comment dire, avoir des bruits. Oh, 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 quand ils m'ont... Non, mais... Vous voyez, il n'y a même pas de bruit. Donc, c'est que vraiment... à l'époque, on avait une vision, mais en fin de compte, il a quand même... Enfin, je sais pas si... j'ai le droit de dire ça. Alors, attendez, on va essayer... J'aurais peut-être dû me mettre en... Les musiques sont vraiment exceptionnelles, de ce jeu-là. Ah oui, alors après, je vais vous montrer, en fait, on peut courir. Ce soir, sort les Wikipédia. Non, en fin de compte, vu que c'était pas prévu, en fait, ce que je vous sors, là, ce que de quoi je vous parle, c'est vraiment... bah, c'est de l'impro, c'est ce que j'ai dans la tête, quoi. On dirait Disney. Ouais, dites-moi si c'est pas ça. Ah, tiens. Ah. Bah, Ludo Morgan dit qu'en fait une bande s'est pas donnée. Alors attention, il y a une variante entre une PCB, c'est-à-dire le jeu, la plaque arcade, et une borne. C'est-à-dire qu'un jeu s'achète indépendamment, si c'est pas une bande dédiée, d'une borne. C'est-à-dire que si vous avez une borne générique, une Astro City, une aigrette, 2, 3, etc. Et ben en plus de la borne, il faudra acheter le jeu. Parce que c'est pas une borne dédiée, c'est pas comme Outrun par exemple, qui est une borne avec un volant, où le jeu automatiquement fonctionne avec la borne, parce que la borne a été faite pour le jeu. Donc, par exemple, un jeu comme Golden Axe peut coûter, alors je dirais peut-être une bêtise, mais 100-200 euros. Quoique je pense pas qu'il coûte ce prix-là. Et la borne peut coûter 800 euros, par exemple. Une Astro City, c'est peut-être 600 euros, ou 8, entre 6 et 800 euros, par exemple. Une Netgrade 2, c'est 1002, par exemple. Quoique une Astro City, ça a quand même pas mal augmenté. Donc, Ludo, Morgan, dis-toi qu'une borne, ça coûte cher, mais les jeux valent cher aussi. Hein. Donc voilà. Et vous inquiétez pas, je vous raconterai mon anecdote sur Sonic. Mon mode, je regarde. Alors, il y en a Maganaki qui dit « Oh, le vieux son !» Je suis désolé, les musiques sont vraiment bonnes pour l'époque. Hein. On peut pas dire que ce soit des... Écoutez ça. Non, mais franchement, et vous savez quoi? Je vais monter encore un tout petit peu le son. Vous me direz si c'est un peu trop... Si c'est trop pour vous, le son. Hein. Non, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ce son qui tue. Alors, attendez. Autant pour moi. J'arrive. Non, mais... Vous pouvez pas dire que le son, il est pas bon. Mais juste exceptionnel. C'est juste exceptionnel. Vous voyez, là, il y a quand même de la voix digit, hein, quand même, malgré tout, hein, c'était plutôt... Oh! Non, mais les musiques sont juste exceptionnelles de ce jeu-là. C'est un truc de ouf. Et sur Mega Drive, moi j'adore le chipset sonore de la Mega Drive, qui a un grain vraiment particulier. Et je trouve qu'elles ont, elles aussi, sur Mega Drive, hein, elles sont à part, effectivement, sont moins d'octaves, etc. Mais, pour le coup, étaient vraiment aussi exceptionnelles, pour le coup. Voilà, attendez, je vais essayer de... Parce qu'en fin de compte, j'essaye de maîtriser plusieurs choses en même temps. J'essaye de lire vos commentaires. Mais sachez que c'est pas évident, en fait. Je peux pas lire les commentaires comme ça. Non, mais attends, mais qu'est-ce que tu vas me faire? On va essayer d'aller au troisième stage. Dans ma petite soirée... les soirées de Wawa, le petit Wawa, quand il allait dans les salles d'arcade. Pour ceux qui nous rejoignent. Alors, je pense pas que ce soit une bonne solution, effectivement, de prendre le petit dragon. Celui qui a la petite queue, c'est vraiment génial. Quand on a un bon timing, c'est un peu comme dans Double Dragon, quand vous faites les manchettes. Quand on a un bon timing, on gère vachement bien la chose. Mais pour le coup, le dragon, c'est pareil, il faut avoir un bon timing. Et pour le coup... Écoutez. Et oui, et j'ai... Vous savez quoi? Ça me fait penser à quoi? Pourquoi j'ai des petites fioles? Parce qu'en fait, il y a des attaques spéciales. Et moi, comme je suis un zéro depuis tout à l'heure... Bon.
J'aurais du mal à, je pense, à manger en fait pendant l'émission. Bon, et alors en fait les fioles elles servent à ça. Et alors j'aimerais bien arriver dans le stage. On est sur le dos de l'oiseau et je crois que c'est ce stage là de toute façon. Et on se laissera sur ça. Parce qu'à l'époque, c'est vraiment ce qui me faisait dire, même quand j'y jouais sur Megara, je me dis putain mais c'est de l'arcade ça, putain. La musique. Non mais attendez. Mais si ça c'est pas exceptionnel, je sais plus c'est qui avait dit que les musiques à l'ancienne, les sons à l'ancienne. La team Shinobi, très sincèrement, était une team vraiment un peu comme la team Sonic. C'était vraiment des chouchous à l'époque, c'était vraiment une team vraiment très considérée chez Sega. Et après, bon bah, après ils seront dissous parce qu'il y a eu les AM1, AM2, AM3, etc. Et puis beaucoup partiront. Ça, ça fera peut-être l'objet d'une émission un jour dans un Retro Game Test. Ouais, ah non! Là, on n'est pas sur le... Non! On n'est pas sur l'oiseau, on était sur la tortue. On va se laisser sur ça, on va faire une petite... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, voilà! Bon, on me dit que vous faites... Il y en a qui font des petites bêtises sur le chat. Ah, attendez, on va essayer de... Attendez, juste, on va terminer le jeu. Et après, on va voir le chat. On va aller voir ce qui se passe un petit peu, ce que vous nous en dites. Ça va être les aléas, mais vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui sera réglé à un moment donné. Allez, on arrive au boss. On fusille le boss. Ah, voilà, j'ai pris la... Et ensuite, on passe juste après. Ah putain, ouais, c'est trop fort. Et plus tard, en fait, ils seront deux, ils seront rouges, si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne. Voilà, attends, je vais te dégommer en deux secondes. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Allez, une... Ah non, je peux plus en faire une. Attends, c'est pas possible. Je peux plus en faire qu'une. Non, c'est pas possible. Bon. Passons. Alors, qu'est-ce qui se passe un petit peu sur le chat, le chat? On me dit que ça se passe pas très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez à dire? Bon. Alors, on va passer au troisième jeu. N'hésitez pas à me dire sur les commentaires. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une capture d'écran du chat. Donc, je pense que ça se frite sur le chat. Donc faites pas de conneries les gars, peace. Alors dites-moi, il est où? Et je vais le bannir, hein. Et puis c'est tout, hein. Ça va être aussi simple que ça. Mais je le retrouve pas. Dès que je le retrouve, et ben en fin de compte, ce que je vais faire, c'est que ce petit monsieur, je vais le bannir, tout simplement. Donc on passe maintenant au troisième jeu dans mon voyage à remonter dans le temps. Et parce que ça il m'arrive tout de suite là. Il y en a un auquel je voudrais jouer, mais en fin de compte je pense qu'il sera pas très jouable parce qu'à l'époque il y avait un maniement assez spécial. Donc on va jouer bon, on va jouer. Est-ce que ça vous dit qu'est-ce que... Attendez, il faut que je mange un petit peu, parce que moi, depuis tout à l'heure, je peux pas manger, en fait. Je suis à fond dans le... Dans les lives. Rolling Thunder! Un jeune Namco qui, lui aussi, est sorti en 86 ou 87. Je crois qu'il était encore... Je crois qu'il a fait partie de la vague qui ont fait cette transition JAMA. Et je sais pas si je dirais une bêtise en disant qu'il est il peut être en JAMA et non JAMA, ou... 86, voilà, c'est ça. C'est juste un petit peu, un peu. Donc, effectivement, je devais, à l'époque, y aller en 87 dans cette fameuse salle. C'est aujourd'hui que je me rends compte, en fait, du... Donc, on va jouer à Rolling Thunder. Et pour vous dire une chose, c'est que ce jeu-là, je l'ai jamais vraiment... J'ai jamais vraiment joué. Et pour moi, ce jeu-là, il n'y a que ce passage-là. Il n'y a que ça. Il n'y a que ce stage-là. Et en fin de compte,
Après, il y a plein de stages qui vont être complètement différents de ça, mais pour moi, il n'y a que ça. Dans ma mémoire, il n'y a que ce passage-là. Donc, parce que... Il n'y a pas d'autre démo, en fait. Vous pouvez rester, mais vous verrez que cette démo tournée en boucle. Donc, voilà. Bon. Bon, alors, on va... Bon. On va commencer le jeu. On va commencer Rolling Thunder 1. À savoir, et je vous donnerai une anecdote. Ah, je vous la donne, la Sonic, quand même. Faut que je vous la donne. Hein. Faut que je vous la donne. Mais, alors, attendez, il y a du Facebook. Alors, je sais pas sur ce Facebook si on essaye de me lancer des messages. Oui, une anecdote. Assez sympa. Enfin, sympa pour moi, hein, parce que moi, pour le coup, j'ai vraiment découvert quelque chose à l'époque. Donc ce jeu-là, je le connaissais, je sais qu'il est sorti sur Mega Drive, enfin le 2 est sorti en arcade et sur Mega Drive. Pour le coup, moi en France, je l'avais pas vu tourner. Et donc il est sur Mega Drive, je sais qu'il est en arcade et tout. Et un jour, je vais en brocante, et là c'était vraiment début des années 2000 pour le coup. Une brocante aux jouets. Et ah, mais là, je suis con, mais c'est comme ça. Et en fin de compte, je vais... ça tweet, ça m'envoie des textos. Ok, donc on m'a donné des trucs. Tout à l'heure, les gars, sachez que vous ferez plus partie du chat parce que on m'a balancé vos noms. Vous êtes tricards. Donc je termine mon anecdote. Je vais dans une. Qu'est-ce que je fais là depuis tout à l'heure? Faut m'expliquer là. J'étais en train de. C'est quoi là? Attendez, je vais essayer de me concentrer tout en vous racontant mon anecdote. Donc à l'époque. Je vais dans une brocante dans les années 2000, brocante de jouets, donc c'est des enfants essentiellement qui vendent dans ce genre de brocante. Et je vois quoi? Un jeu de Genesis, donc la version américaine de la Genesis. Bon, et Facebook, au revoir. Parce que si je reste là depuis tout à l'heure... Bon, on va s'y mettre, vous inquiétez pas, je reviens, j'essaye de mettre les idées dans l'ordre. Donc je vais cette fameuse brocante, et je vois quoi là en Genesis, en version... version américaine de la Mega Drive, et je vois quoi? Rolling Thunder 3! Et dites-vous, on est vraiment peut-être en 99. Mais à cette époque-là, Internet n'était pas ce qu'il était aujourd'hui, et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai jamais joué à ce jeu-là, il est trop dur. Et... Ah ouais! Il n'y a pas de continu! Non, c'est pas possible! Je peux pas genre... Bah oui, de toute façon, je suis au premier stage. Et... Le mec, il a un petit souci. Et je vois Rolling Thunder 3 en Mega Drive. C'est quoi ce truc là? Version américaine. Je le connais pas ce jeu, je savais même pas qu'il était sorti. C'est un proto. Je me dis, ah putain, j'ai déniché un proto. Je sais pas, le gosse il l'a vu par son père qui l'avait eu à l'époque. Et je me suis fait un film et tout ça. Jusqu'à ce que je rentre à la maison. Et donc il y avait quand même internet à l'époque. Et je vois quoi qu'il existait. Mais en fin de compte, dites-vous que pendant tout le trajet, j'étais en train de me dire, j'ai un proto entre les mains et tout. Oh le loser. Putain, et le maniement il est atroce. Et je vous dis franchement les gars, le maniement il est juste atroce. Alors je vais rentrer, je vais avoir une espèce de mitraillette si c'est comme dans le 2. Ah non, ça m'a augmenté l'énergie. Oui, une mitraillette. Alors ce jeu est plutôt sympa parce que j'aime bien cette idée en fait. Ce sera repris dans Sunset Rider. Alors là, et le maniement il me rend ouf. Dans Sunset Rider de Konami qui sortira en 93 ou 92. Et ce système sera repris. Bon, je vais essayer d'avancer un petit peu. Comme vous pouvez le voir, en fait, ça reste juste un souvenir. Parce que pour le coup, en fait, là, je suis vraiment zéro. J'ai du mal. J'ai du mal un petit peu à jouer. Ça a du mal à passer. Oh! Oh là 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 là. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on va y arriver, je vais juste au moins... Eh, vu que j'ai jamais vu les autres stages, à part en photo sur Google, si franchement j'y arrive avec vous, c'est une première. Mais j'ai crainte, j'ai une crainte. Il me semble que c'est la grotte après, parce que j'avais vu des photos ou des vidéos sur Facebook, sur YouTube, Google, etc. Et donc je vais juste essayer. Non, mais voilà, ça commence mal. Il faut que je me concentre. Parce qu'en plus, je reçois des textos dans tous les sens. Donc, les gars, arrêtez de m'envoyer des textos parce que ça me déconcentre dans le jeu. J'ai compris, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse après. Allez. Non! Pourquoi je peux pas rentrer? Ça augmente le truc. Voilà. Ah, et là, je crois que j'arrive au...
Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse là? Que je saute? Non. Et vous voyez, par exemple, là, j'y suis jamais arrivé. Donc là, je suis en train de... Vous vivez avec moi un rêve de gosse. Alors, attendez, je crois qu'il y a des pneus. Je sais pas si c'est dans ce stage-là. Il y a une grotte à un moment donné. Je sais pas s'il y a des pneus. Des pneus! Les pneus! Oh, on est aux pneus! Putain, les mecs, on y est, putain! Attendez, attendez, attendez. Parce que c'est pas la fin. C'est pas... La musique, elle est bonne aussi, putain. Et là, là, c'est de la... C'est de la musique! Non! Oh! Zut alors! Et puis, putain, c'est pas possible! Et attends, il y a bien un checkpoint. Attends, je vais mettre mon score. Dis-moi qu'il y a un checkpoint. Obligé, au milieu, il y a un checkpoint. Checkpoint! Ok, tu rigoles? Non, c'est pas possible. Bon! Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au jeu suivant. Mais juste un petit peu avant, mes petits cocos, parce que je sais que vous êtes certains en train de. Alors, hop, on va revenir ici. Et donc, alors... Alors, par contre, moi, je sais pas comment on fait pour... Ah ouais, mais moi, je sais pas comment faire. Ouais, je sais pas faire, moi. Je sais pas comment on fait, en fait. Je sais pas si vous savez comment faire pour... Ouais. Bon, on va lancer donc le prochain jeu. Maintenant, il faut que je le trouve. Donc, il faut que je le trouve. Les gars, si franchement vous amusez à faire des choses comme ça, c'est simple. Moi, je vais vous bannir. Vous ferez plus partie de. On vous verra plus. Donc, ce sera aussi simple que ça. Donc, calmez-vous un petit peu. Et donc, attends. Attends. Et comment ? Expliquez-moi ! Dites-moi, ceux qui savent comment faire pour bannir, comme ça je le ferai, tout simplement. Donc n'hésitez pas à m'expliquer comment. Et dans un premier temps, parce qu'on va pas passer la soirée à bannir les gens, on est là aussi pour s'amuser. Donc on va passer au prochain jeu, le jeu auquel j'ai joué à l'époque, dans cette fameuse salle d'arcade. Et je sais qu'il y en a certains qui se disent, mais Sonic, tu nous as parlé d'une anecdote. Eh ben on aimerait bien savoir laquelle c'est. Alors attendez, parce que à quel jeu j'ai joué à l'époque? Oui. You are under arrest. Est-ce que ça vous dit quelque chose si je vous dis ça? You are under arrest. Là, ça vous dit quelque chose. Save the innocent, protect the law. Ça vous dit quelque chose, ça? Obligatoirement, ça vous dit quelque chose. Ça ne peut pas être autrement que vous dire quelque chose. Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. Dites-moi comment mettre un modo. Voilà. Il faut un modo. Vous me dites comment on fait et je vous ajoute en tant que modo. Voilà. Alors attendez, je sais comment on va faire. Ouais, mais le problème c'est que... Robocop. Et donc effectivement, Robocop, j'étais avec mon petit hamburger et là je vais prendre ma pizza. Et j'étais avec mon petit hamburger et je regardais le jeu. Et on va le regarder ensemble. Le temps que certains me disent comment faire pour bannir des petits loulous. Bon alors, expliquez-moi comment bannir les méchants. En attendant, bah, c'est pareil qu'à l'époque, je regardais les jeux comme ça. Putain, dites-vous, j'étais tout petit. Tout petit. J'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Bon, là, c'est vraiment une soirée freestyle, hein, pour le coup. Hein. Ah, mais en fait, quand il y en a qui ont dû répondre. Clique juste sur le pseudo, me dit Ludo Morgan. Tu cliques sur le pseudo. Ouais. Et après, il y a le message ignoré. Est-ce que c'est ce message? Robo
Et en fin de compte, voilà, on se fait pourrir par des loulous qui viennent nous emmerder. Et comme ça, je sais pas, on peut fermer le chat, hein. On le ferme et puis c'est réglé comme ça. Bon, pour autant, on va pas passer notre soirée parce qu'il y a des gens qui nous regardent sur YouTube et qui eux ont pas forcément envie de ça, ils ont forcément envie de regarder l'émission. Donc j'ai juste à vous conseiller une chose dans un premier temps, bah vous regardez pas le chat. Et moi je regarderai pas, tout simplement. Regardez l'émission, faites-vous plaisir. Je relirai que les messages qui sont sympathiques. Et pour autant, moi je vais commencer à jouer parce que je vais pas perdre mon temps avec tous ceux qui foutent le bordel, hein, tout simplement. Mais c'est bien, vous voyez, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un test aujourd'hui. Donc cette émission sera normalement disponible sur YouTube, je sais pas, on sait rien. Mais voilà, voilà pourquoi je fais ce genre d'émission, parce que en même temps, ça me permet de voir qu'il y en a qui foutent le bordel. Et je vais mettre des modos, tout simplement. Je vais mettre des modos sur le... Parce que dites-vous une chose, c'est que là, je suis tout seul, je suis en train de jouer tout seul. Mais à terme, à terme, on sera plein, ce sera un petit plateau, on sera au moins 4 personnes. Voilà, donc, allez, pour revenir sur Robocop, donc, il fait toujours partie de ces fameux jeux que je regardais, et j'ai encore le goût de l'hamburger. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas McDo. Et je me souviens qu'il y avait, je sais pas si vous avez connu, parce que je changeais en fait, il y avait Free Time. C'est des hamburgers qui étaient longs, avec un petit truc au milieu pour faire tenir l'hamburger. Et j'adorais ça. Donc, jeu de Data East qui est sorti en... Film qui est sorti en 87 ou 88, si je dis pas de bêtises, et c'est pareil pour le jeu. C'est dans la foulée, c'est un jeu de Data East qui sortira plus tard, enfin... assez rapidement. Ah oui, j'ai une autre anecdote sur ça. Ah oui, bah ouais, c'est truc de ouf. Donc, à l'époque, j'adorais le film. Et je pouvais pas aller le voir au cinéma. Trop jeune. Et mais quand je voyais ça, c'est le film. Je me disais, c'est le même que dans le film. Mais ça veut dire que j'avais vu le film au cinéma, c'est pas possible. J'ai pas pu le voir au cinéma. Je l'ai vu en VHS à l'époque. C'était les VHS américaines. Je sais pas quoi là, avec un petit logo américain. Donc, oui, et ben, petite anecdote sur ce jeu. C'est simple en fait, je vais remettre le petit chrono. Parce que vous m'avez tous perturbé avec vos histoires de modération. Et donc, ma petite anecdote sur ce jeu. C'est qu'à l'époque, je kiffais ce film. Bah, visuellement, il me faisait kiffer. Peut-être, je l'avais peut-être pas encore vu. Et j'avais comme idée à l'époque qu'un jeu... À l'époque, dites-vous qu'il y avait Master System et Nintendo. Et je me disais... Bon là, pour le coup, je pense que je vais pouvoir prendre le deuxième stage, hein, pas comme tout à l'heure. Et je me disais... Eh ben, si il sort sur un format, il sortira pas sur l'autre parce qu'ils ont l'exclusivité. Nintendo, et par exemple, je lisais Tilt... Et à un moment donné, parce que c'est pareil, il n'y avait pas du tout internet, il n'y avait pas de magazine. Dites-vous qu'il y avait Tilt, et à part Tilt, il n'y avait pas Player One, il n'y avait pas Console Plus, il n'y avait pas tout ça. Il y avait Génération 4 et Micro News. Et donc à l'époque, je me disais, oh, et je regardais dans une vente, Coconut ou un truc comme ça, une des boutiques, et je me disais, merde, il est sorti. Donc il était en vente, il était listé dans. Et je me disais, oh, c'est fini. Moi j'avais la Master System, je me disais, oh, on l'aura pas et tout, ils ont l'exclusivité. Et j'étais dégoûté. Et je savais qu'il était sur Amiga et tout ça. Et je me disais, ouais, mais l'Amiga, l'Atari, c'est les ordinateurs, donc c'est un milieu à part. Ah, la musique est énorme. Et donc voilà, donc j'étais dégoûté, je me disais qu'il sortirait jamais sur console. Et ça s'est pas vraiment vérifié parce que plus tard, bah, d'autres jeux sortiront sur des consoles, sur les deux consoles, etc. Mais pour le coup, ce jeu-là ne sortira pas sur Master System. You are under arrest. Et elle a dit merci ou elle a dit thank you? Je me trompe ou quoi? Oh, la musique. Et donc ce jeu-là, pareil, quand j'allais dans cette fameuse salle d'arcade, il n'y avait pas de démo, à part le premier stage, c'est tout ce qu'il y avait. Alors les musiques sont de trucs Tatopoulos, je sais plus c'est quoi le nom, parce que je suis hyper fan d'OST. Hein. Dites-moi si je maîtrise un petit peu le jeu. Oh les musiques, mais ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment super propre quand même. Ah oui, alors lui, il est assez simple. Mais pour le coup, je vais mourir, là. You are under arrest.
Voilà, il est assez simple, mais le problème c'est qu'il me reste pas grand chose, donc de toute façon, voilà. Je clique sur le nom. Et après, je fais quoi quand je clique sur le nom? Non! Non, qu'est-ce que j'ai... Voilà. En plus, je reprends exactement à l'endroit où il était... Oh, c'est génial, ça. Ça, c'est de la bombe. Ça, c'est de la bombe. Voilà. Bon. Good luck. Thank you for your cooperation. Good luck. Dans le film, à un moment donné, je crois que c'est la fille, elle comprend rien. À un moment donné, il la délivre et elle dit « Merci pour votre compréhension. » La meuf, elle dit « Elle comprend rien du tout, quoi. » Ah oui! Alors là, attends, c'est quoi? Parce que sur NES, il y avait aussi ça. Attendez, moi, je suis un hardcore. Oh là. On dirait Shinobi, en fait. Shinobi, quand il y a le stage avec les ninjas qu'on... Non mais attends, ça s'énerve là! Putain! Ouh! Si c'est pas du hardcore gaming ça! Oh! Time over! Time is over! 82% de hit, ça c'est génial! Ok. Mais non, mais j'ai pas ça, bannir ou kicker. Je clique sur le pseudo. Attendez, on va faire quelque chose. On est en mode... En mode test. On est en mode test. On va revenir. Expliquez-moi un petit peu, les amis, comment je peux bannir les petits méchants, là. Les petits gens qui foutent le bordel dans le live. Et heureusement que c'est vraiment, on est en mode... J'ai bien fait de vouloir faire un live. Donc je clique où? Je clique sur le pseudo. Ah, attendez, parce qu'il faut que je descende tout en bas là. Le problème c'est que... Voilà, je vais cliquer sur le pseudo. Ouais. Ouais. Ah, tu les ignores en gros. Ouais, ok. Bah, très bien, alors. Bah, faites pareil. Bah, vous faites pareil à ce moment-là. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà. Bon. Bon, on va reprendre le cours. N'hésitez pas à ne pas regarder le chat, et puis ni plus ni moins. Hein. Puis on va recommencer. Nous, on va se remettre en mode on est en jeu. Et on repart. Donc là, je suis mort. Et là, ça me fait penser à Bad Crud. Un autre jeu de chez Data East en plus, tiens, pour le coup. Pour le coup, c'est un autre jeu de chez Data East. Ouais. Voilà. Allez, alors attends. Et ça, c'est dans le 2. Dans le 2, il est attrapé comme ça, je crois, quand il est dans la... Quand ils vont le démonter. Donc c'était un stage... Oh, mais hey, il est juste énorme, ce jeu. Il est juste énorme. Juste énorme. Oh. Bon, là, je vais recommencer. Je vais juste recommencer ce stage-là, parce qu'on a quand même pas mal avancé, l'air de rien. Je sais pas pour vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai quand même pas mal avancé. Donc... Ah, c'est à l'autre avec le... Ils ont le gun, là, le Mac, je sais pas quoi, 2000, je sais pas quoi, là. Celui-là, voilà. Ah bah génial, je peux tout dégommer en plus. Je peux tout dégommer.
Mais t'es merci. C'est un merci. C'est quoi? C'est merci? C'est thank you? C'est quoi? Faut savoir. Choisis ton camp. Allez, qu'est-ce que je vais avoir comme boss? Qu'est-ce qui... Bah parce que, hormis le ED209, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire comme boss? Ouais, ok, ça a rien à voir. Là, par contre, pour le coup, je suis jamais arrivé là. Pour le coup, je suis jamais arrivé là. Et même, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que c'est ce qui est sympa. C'est qu'en fin de compte, on peut, en fin de compte... Voilà, moi, le chat, je ne le vois plus. Donc, ne cherchez plus, je ne vous vois plus. Je ne vois plus le chat. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là, mec? Qu'est-ce qu'on va faire? You are under arrest! Oh bah voilà, je suis mort direct. Bon. Ah. Ouais, ce sera peut-être mieux comme ça. Bon, alors après, on va passer peut-être à un autre jeu. Alors, à quel jeu allons pouvoir nous-t-il donc jouer? À quel jeu on va jouer? Alors, je vais tenter un jeu. Je vais juste tenter un jeu. Mais pour le coup, je suis pas certain qu'il passe. Parce qu'en fait, il est normalement, il est avec un pad assez spécial. Mais on va tenter le coup. On va tenter de le faire. Alors. On va tenter de le faire. Voilà. Bon. Et ce jeu-là, visuellement, il me plaisait. J'adorais, je kiffais. Alors. Et la musique est juste exceptionnelle. Écoutez ça. Juste énorme, mais a priori, je vais pas pouvoir y jouer. Donc, je vais laisser la démo. Je vais vous laisser un petit peu la démo et pour le coup, je pense que je vais pas pouvoir. Ah, mais je sais, les amis, je sais pourquoi. Vous savez quoi? En fin de compte, je vais vous laisser le live. Et mais je sais en fait. Oh là là, qu'est-ce que je suis nul. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ben voilà. Je suis désolé. J'ai trouvé la solution à mon problème. Le problème qui est celui-là, des petits méchants. Vous inquiétez pas. Le problème va être réglé. C'est dit plus, moi, en fin de compte, que je n'étais pas connecté. Donc effectivement, n'étant pas connecté avec mon compte, étant un noob, eh ben je peux pas faire grand-chose. Sauf que là... Et bah là, ça fonctionne. Voilà. Donc voilà. 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 Et je vais mettre des petits modos. Mais c'est génial. Parce que même si vous êtes sur YouTube et que vous voyez cette vidéo sur YouTube, bah vous pouvez voir en fin de compte qu'il y a des petits aléas. Alors Phil, ajoute-toi. Phil, je vais te mettre modo, moderator. Mais je suis con en fait. Bah oui, bien sûr que je voyais rien, les gars. Bah oui. Bah oui. Bah oui, bah oui. Bah oui, bah oui. Bah oui, bah oui. Bah oui. Bon. Bah voilà, je pense que. On va. Donc là, vous voyez le jeu là. En fait, je pense que je vais pas pouvoir y jouer. Donc, voilà, 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 voilà. Bon, on va commencer à tenter le jeu. Phil, n'hésite pas à te rajouter, comme ça, moi, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais te mettre modo maintenant. Maintenant qu'on peut effectivement, enfin, que je sais comment ça fonctionne. Tiens, Ludo Morgan, je te mets modo. Si tant est que je sais comment faire.
Je sache comment faire. Mais comment on fait, Modo? Time out user. OP user. Opérateur user. J'ai l'impression que c'est ça. Est-ce que opérateur user est le cas? Donc n'hésitez pas à me dire. Voilà. Bon voilà, bon voilà. Voilà Bob, on va continuer avec Xybots qui sort en arcade à l'époque, qui sera adapté sur Atari, sur Amiga, sur Lynx. Je l'ai sur Lynx. Alors voilà, est-ce que je vais pouvoir jouer? Parce que le problème en fin de compte, c'est que normalement, je devrais pouvoir. Je dois. Ok. Je crois que normalement. Ok, je dois trouver de l'énergie. Donc normalement, je crois que. Pourquoi je suis mort? Ça, c'était exceptionnel, dites-vous à l'époque. Alors on voit bien que au niveau programmation, je suis déjà mort. Il y a déjà. Ah ouais, ok, alors attends. Mais pourquoi? Attends. Ok. Ok, bon alors j'ai pas beaucoup d'énergie, là il y a une clé. Et pour autant, en fait, c'est un jeu que. Enfin, j'ai toujours voulu y jouer. J'ai même demandé récemment à un pote s'il pouvait trouver la borne. Une borne assez spéciale. Mais on va tenter d'avancer le plus possible. En fait, je m'étais dit que ce jeu-là, j'y jouerais un jour vraiment quand j'aurai la borne. Et pour le coup, là, j'arrive à jouer. En fin de compte, je pensais qu'il fallait truc. Il y a Survivor Labyrinthe, etc. de chez Sega, où effectivement, il y a un petit bonhomme qui est transparent, où il faut bouger et tout. Mais apparemment, celui-là, non. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là. Mais il me semble que oui. Normalement, il faut que je. Ouais, vous voyez là? Je pense que normalement, je dois pouvoir. Voilà. Normalement, je dois pouvoir être en face de lui. Donc, c'est bien ce que je pensais. Et que là, je suis pas. Ok, bon. Allez, donc on va passer à un autre jeu maintenant que j'ai un petit peu résolu ce système avec vous de chat. De chat, 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 chat. Donc c'est Ludo Morgan qui se charge de ça. N'hésitez pas s'il y a Phil, Phileas, etc. Ok, viens! Phil, viens, viens, come on, baby, come on to kill everybody. Faut tous les. Faire du ménage, les mecs, faire du ménage. C'est génial. Vous voyez, c'est ça le live. Le live, c'est la vie, c'est tout ce qui se passe en direct. C'est les aléas. C'est les petits cons. Ouais, c'est les petits cons qui foutent le bordel, qui viennent nous emmerder, qui viennent faire la fête. Alors qu'ils sont pas invités à la fête, voilà, vous voyez, c'est ça. En fait, ils sont en boîte de nuit, on les invite pas, ils foutent le bordel, ils sont bourrés, ils emmerdent tout le monde. Ben voilà, il faut pas les inviter, ces gens-là. Faut pas les inviter. T'invites un mec dans une soirée, dans une boom. Eh, à l'époque, quand vous faisiez des booms, quand vous jouez à la Master System, ben c'était la même chose. Il y avait toujours le petit con qui s'amenait, mais t'étais invité, toi? T'es invité, toi, mais en plus, on t'aime pas, toi. Alors tu dégages. Eh ben là, ils dégagent tous. Tous ceux qu'on aime pas, on les dégage. Oust! Voilà, ajoutez-vous. Allez, file, ajoute, viens. Voilà, donc on va, pendant ce temps, je vais. Lancer un autre jeu, on va sélectionner un autre petit jeu qui sera. Alors attendez, parce que ma mémoire, faut qu'elle revienne, ma mémoire. Alors attendez, 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 attendez. Attendez, mesdames et messieurs. Ah, c'est ça, le petit bonhomme avec la petite épée, Ludo Morgan, putain, t'es un. En fait, t'es en mode. T'es un petit chevalier, quoi. Bah, c'est ça. Mais la prochaine fois, ce qu'on voit. Et c'est génial. La prochaine fois, voilà, vous viendrez. Et je vous. Voilà, ceux qui seront déshabitués et tout ça, bah vous serez les petits soldats. Les petits soldats, les petits soldats. Un petit soldat. Phileas du forum. Tiens, je vais t'ajouter. Voilà. Et maintenant, tu vas être un knight. Le chevalier des temps modernes. Vous avez vu ce dessin animé avec le petit là? Le petit chinois qui tournait un petit peu après, qui a joué dans Tortue Ninja 2 et 3. C'était un knight. Ouais, alors attends, Phil, est-ce que Phil, pour autant, tu es OP user? Normalement, tu es OP user, n'hésite pas à me dire, envoie-moi un fax si jamais c'est pas le cas, on est en mode rétro. Alors attendez, parce que là, il faut que je réfléchisse à des jeux. On a fait Golden Axe, je vais vous raconter la petite anecdote de Sonic. En fait, depuis tout à l'heure, je tarde à la raconter, mais elle est pourrie en fait.
Golden Axe, Shinobi, il y avait Robocop, il y avait... Ah putain, un jeu que j'ai pas compris à l'époque. Il était dans la salle. Et je vais vous expliquer un petit peu. Ah, un truc mystérieux dans ma vie de gamer. C'est un truc que j'ai pas compris. Je crois que je l'ai et je crois qu'il tourne bien en plus pour le coup. Je crois qu'il tourne bien pour le coup. Alors on me dit qu'il y a un petit problème de... Alors normalement, il tourne bien, donc on va tenter. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose déjà au niveau sonore? Peut-être que pour certains, oui. Ah, ça serait... On va peut-être baisser un tout petit peu le son de celui-là, parce que lui, il a l'air d'avoir un bitrate un peu évolué au niveau du son. Voilà. Alors, Knight of the Round nous dit Apple Dux. Non. Kung Fu Master. Non. Vous entendez la musique là, hein? Et il n'y avait pas de digit pour lancer le jeu. Et nous allons jouer à... Essayez de deviner à quel jeu on allons... Alors, c'était pour moi... Je peux vous assurer qu'à l'époque, moi, j'étais beaucoup dans la technique. Les parallaxes, les scrolling, les couleurs affichables simultanément et tout ça. Donc, j'analysais les jeux. J'essayais de comprendre comment était foutu un jeu. Et quand j'ai vu ce jeu-là... Il y avait des magazines à l'époque, hein. Mais quand tu vois le jeu, tu te dis... Merde! T'essayes de comprendre comment c'est fait, quoi. T'essayes de comprendre comment ils ont fait, qu'est-ce qui a fait que... Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est des... C'est des. Ouais, on se pose des questions... Je vois que ça se fight. Je vois que ça se fight. Ça se fight sur le chat. Et je vois que... Donc, oui, ce fameux jeu... Mon cerveau, dites-vous à un moment donné qu'un cerveau, il peut bugger. C'est-à-dire que quand vous n'arrivez pas à comprendre, par exemple, moi, un truc con, c'est l'univers. L'univers, on dit l'univers. Il est à l'infini. Pour moi, à un moment donné, il y a un mur. L'univers s'arrête. Mais derrière l'univers, il y a quelque chose. Donc ça ne s'arrête pas. Oui, mais l'univers, il n'a pas de fin. Mais ça n'existe pas de fin. Mais si. Mais non, c'est pas possible. Et donc là, ce cas précis, c'est de se dire, ouh, c'est chelou, le jeu, il est vraiment... J'ai pas compris. Et ce jeu, c'est Virtua Fighter. Alors, expliquez. Explication. Vous voyez, par exemple, moi, à l'époque, je savais que quand on a un tableau, il y a un personnage qui se déplace, donc je sais que la caméra suit le personnage. Et voilà, ça avance. On voit le déplacement du personnage et le décor, il est là. Mais là, je comprenais pas. Perspective. Donc, il y avait des perspectives, des fois, à un moment donné, dans Street Fighter et tout ça. Mais non, mais là, ça bougeait, les caméras, elles bougeaient. J'ai dit, mais comment c'est fait? Mais techniquement, comment ils ont fait? C'est de la 3D, mais comment le truc il gère? Dites-vous, voilà, c'est des choses qui aujourd'hui paraissent normales, logiques, qui sont. Enfin, on connaît, on sait, voilà. Mais la première fois, dites-vous une connerie, c'est une super grosse connerie ce que je vais vous dire, mais à l'époque, l'homme préhistorique, quand il a vu le feu, vous voyez? Il se dit, c'est quoi ça? Ça brûle, j'ai jamais vu, ça fait quoi ça? Je le touche, ça. Ah, ça brûle, mais pourquoi ça brûle? C'est une lumière, ça éclaire. Et là, c'était pareil. C'était de se dire, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? C'est quoi? On est où? Et ben voilà, c'était ça. C'était ces trucs, ces plans qui bougent, les caméras. Voilà, je disais, c'est pas possible. Mais comment ils ont fait? Comment ils ont programmé? Bon, bref, on va jouer à Virtua Fighter. On va pas y jouer longtemps parce que pour le coup, bon, c'est pas un jeu que je kiffe pour autant. Hein, mais c'était. Techniquement, c'était assez folklore. Voilà, donc est-ce que je vais pouvoir mettre des crédits? Ah, oh, c'est les mêmes crédits que dans Outrunners. Ah ouais, c'est les mêmes. Outrunners, un jeu Sega toujours. Allez, on va prendre Akira. Alors, pour la petite anecdote, ce jeu-là a été fait par Yuzo Koshiro. Yu Suzuki. Putain, les musiques. On dirait vraiment... C'est le compositeur de Outrunners. C'est le compositeur d'Outrunner. Ce jeu-là, j'ai vraiment quasiment jamais joué. Et donc, c'est Yu Suzuki qui a fait le jeu, donc le papa de Space Harrier, de Outrun, de Afterburner, Hang-On, etc. Et juste avant de se faire ce jeu-là, c'est pas le premier jeu en 3D, c'est en fait, c'est Virtua Racing, le jeu dont Cyril Drevet jouait à l'époque dans Télévisateur 2 et tout, était un pro et tout. Et dans Virtua Racing, pendant le développement du jeu, en fin de compte, pour les besoins du scénaristique, d'intégration, enfin
de mise en ambiance du jeu, à un moment donné, bah, on voit dans la démo des personnes en train de changer les pneus. Vous voyez, comme dans, bah, dans les Formule 1, les gens ils changent les pneus et tout ça. Et ils ont fait des personnages en 3D, et ça lui a donné l'idée, il s'est dit, mais merde, putain, c'est intéressant de faire bouger des personnages, parce qu'il n'y avait pas pensé, hein. C'était plus facile de modéliser... j'ai du mal. C'était plus facile de modéliser des voitures, etc. Et là, ça lui a donné l'idée, et il s'est dit, bah bon, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un jeu de combat avec des personnages. Voilà, donc ça donnera Virtua Fighter. Et Virtua Fighter, dites-vous une chose, c'est un jeu qui, dans ces années-là, dans les années 90, était un peu comme, si vous pouvez voir aujourd'hui, James Cameron est considéré comme aujourd'hui comme une personne qui est au cinéma le plus proche de la technologie, de l'évolution du cinéma dans tout ce qui n'existe pas dans le cinéma, on va dire. On peut le considérer comme ça, même si il reprend des choses qui existent déjà, on est d'accord. Hein. Il copie sans copier, enfin, il évolue, on va dire, il fait évoluer les choses. Et donc, à cette époque-là, dans les années 90, Virtua Fighter était le jeu qui était en marge de la progression. C'est-à-dire, quand il y a le 1 est arrivé, c'était un truc de ouf. Le 2 est arrivé technologiquement, on passait un cap. Et c'était toujours le jeu, c'était le avatar du jeu vidéo. C'est-à-dire que quand le 2 est arrivé, c'était un truc de ouf. C'était sur le... Là, ça se tourne sur System Model 1, si je ne dis pas de bêtises. Après, le 2 tournait sur Model 2. Et c'était à chaque fois quand il y avait un nouveau modèle, un nouveau système à hardware qui arrivait, et ben c'était le jeu. C'était ce jeu-là qui tournait, qui était un truc de ouf. C'était un blockbuster de malade, ce jeu. Voilà, et puis le 3 sur modèle 3, etc, etc. Et voilà, donc voilà, c'est Virtua Racing Fighter. J'ai pas grand-chose, parce que c'est un jeu que je connais pas, en fait. Et là, c'est total impro. Et pour deuxième petite anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que Yu Suzuki, à l'époque, voulait faire un Virtua Fighter RPG. Un RPG de Virtua Fighter. En prenant Akira comme personnage principal de ce fameux RPG. Et c'était le projet Virtua Fighter RPG, un truc dans le genre, si je dis pas de bêtises. Hein. Et en fin de compte, ce projet se déclinera, en fait. Le projet prenant de l'ampleur, il avait sa part en tant que tel. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus besoin qu'il soit... Que ce soit un Virtua Fighter, à un moment donné, ils se sont dit... Il peut limite voler de ses propres ailes, techniquement, vu comment on le développe. Il était prévu sur Saturn, ce fameux jeu. Et à un moment donné, donc ce jeu-là deviendra le projet Black Belt. Black Belt. Je sais pas si je dis de bêtises. Hein. Là, c'est mes souvenirs qui remontent. Hein. Et ce projet Black Belt, à un moment donné, n'aura plus sur Saturn. La Saturn n'était plus assez évoluée pour aller vraiment concrétiser les projets de Yu Suzuki. Et à un moment donné, il se dit, bah qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre sur Dreamcast, ce jeu, ce fameux RPG de Virtua Fighter RPG. Et bah ce jeu s'appellera plus tard Shenmue! Voilà, les origines de Shenmue! Oh, c'était l'anecdote du jour, Total Impro. Et on va passer maintenant à un autre jeu. Je vais essayer de faire bouger ma mémoire. On va essayer de faire remuer la mémoire du Wawa. Le Wawa, la mémoire du Wawa. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme jeu? Parce qu'on va bientôt terminer ce live. Hein. On va le terminer, mais en même temps, on discutera toujours un petit peu après. Hein. On va le terminer, on reste 10 minutes pour vous montrer le dernier jeu. Et c'était... En fait, moi, ça m'a bien plu cette soirée. Je suis désolé hein, pour certains. Voilà. Donc, le... Qu'est-ce que je pourrais mettre comme jeu que j'ai connu à l'époque? Que j'allais au Strike, à la salle arcade du Strike. Alors, bon, alors attendez, et je réfléchis un petit peu. Alors, il y avait Shinobi, il y avait Golden Axe. Ah, il y en avait un! Ah, il y en avait un, il est injouable. Ah, c'est un truc de ouf. Si je vous montre ce jeu, vous allez devenir ouf. Vous allez devenir ouf. Et j'ai des petites anecdotes. Je vous assure que c'est de la totale impro. Et ne vous dites pas que j'ai tout préparé parce que je prenais ma douche et c'est en prenant ma douche que j'ai choisi le jeu. Alors, le problème, c'est que je m'en souviens pas de son nom. Attends. Atomic Runner. Atomic Runner. Il a un autre nom, c'est un jeu de Data East qui est toujours de la même époque. Et je ne sais pas si je l'ai en Atomic Runner. Et si c'est pas en Atomic Runner, ce sera en... c'est pas en Atomic Runner. Je vais pas me prendre la tête. Je l'ai pas en Atomic Runner, si tant est que je l'ai. Parce que ça, c'est une autre paire de manches. Manufactured. On va mettre du Data East.
Il y a des petites anecdotes, sur... pas des petites anecdotes, oui. Oui, il y a des petites anecdotes. Atomic Runner. Shell-Nov, Atomic Runner. Voilà, Shell-Nov. Donc, je vais vous mettre Shell-Nov, qui est un... qui est plus... Ah, je sais pas si je peux dire que c'est un bon jeu. Oui, c'est un bon jeu. C'est un jeu assez sympa, assez spécial, certains me diront. Mais, vraiment atypique pour l'époque et encore aujourd'hui, vraiment atypique parce que c'est un jeu qui... honnêtement, j'ai pas revu de jeu comme celui-ci. Dites-moi si vous avez déjà vu des jeux comme celui-là, mais qui a un gameplay vraiment, vraiment spécial. Appel Dux et Akira Atomic me disent Shell Nov. Ils me disent Shell Nov. Effectivement, c'est Shell Nov. Je l'avais plus en tête, c'est pour ça. 42 105 me dit, elle doit être froide la pizza maintenant. Oui, effectivement, elle est très froide. C'est vrai. Mais j'ai des céréales au cas où. Mais bon, comme j'ai pas fini, que j'ai encore faim de la vraie faim, quoi, pas de la faim de sucré. Donc, on va quand même finir la pizza malgré tout. Donc, Colio62 qui dit Shell9 exact. Donc j'ai l'impression que vous êtes des gens assez assez connaisseurs a priori dans le public de. Dans mon public, entre guillemets, si je peux dire mon public. Par contre, j'ai une chose à dire, c'est que dans Wawa Games Club, ce sera pas forcément du rétro gaming. Et ce sera beaucoup. Je dirais que ce sera vraiment du moite-moite. Donc ne vous attendez pas dans Wawa Games Club à avoir du rétro. Honnêtement, on va tout faire. Donc ne vous attendez pas à ça. Bon. Bon, allez. Allez, on va commencer. Shell-Nov, Atomic Runner. Un jeu de Data East, plutôt sympathique, mais juste parce que c'est un jeu qui est quasiment unique. C'est un jeu limite injouable parce que il est jouable, mais c'est un gameplay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez Sonic, vous jouez à Sonic, vous prenez Mr. Nuts, vous prenez Mario, vous savez que vous avancez, vous sautez, etc. Donc, c'est-à-dire que c'est un maniement, un gameplay assez intuitif. C'est-à-dire qu'on a tous eu l'habitude de jouer à un jeu de plateforme. Mais Atomic Runner est un gameplay limite que je n'ai jamais revu. Je n'ai jamais revu. Et au même titre, Data East, j'allais dire même au Data East, a un style de gameplay, mettra au point plusieurs types de gameplay qui seront limite des prototypes qui ne seront jamais repris, effectivement, qui ne font peut-être pas, qui seront pas populaires, comme par exemple Midnight Resistance. Et je vous explique pourquoi. Vous allez voir que c'est un truc de ouf. Alors, c'est un jeu au stick, non, Indiza King 7002. Non, c'est pas un jeu au stick. Mais, là, je bloque la course. Je tire. Mais si je veux tirer derrière... Ah, attendez. Et ben voilà, il faut que j'appuie sur ce bouton-là pour se tourner. Plutôt que de le faire à la manette, non. Quand je mets en arrière, ça me bloque le personnage. Donc là, je vais mourir, hein. Honnêtement, je vais mourir. C'est juste pour vous expliquer un petit peu le maniement. Là, je tourne. Et après, je fais mes trucs. Vous voyez? C'est-à-dire qu'une fois que j'ai tourné, si je mets en arrière... Juste, je vous montre le maniement, hein. Je mets en arrière, en avant même, même en avant, c'est même pas en arrière. Regardez, si je mets... Ah, en avant, le personnage il s'arrête. Voyez bien, il faut que je rappuie sur le bouton. Donc c'est un maniement vraiment à se taper la tête contre les murs. Voilà, c'est... Et moi j'en perds mon... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais perdre un crédit. Je vais perdre mon crédit pour recommencer une vie à peu près... Enfin, parce qu'en plus, pour le coup, je crois qu'il y a pas... Il y a un checkpoint. Alors... On va y aller, crédit. On va partir. Est-ce que vous êtes tous prêts? Alors, il y a Apple 12 qui dit mon score à Shell 9, c'est 271 000. Alors, pour le coup, je ne sais pas si 271 000, c'est un bon score. Je pourrais pas te le dire. Enfin, je pourrais pas te dire. Toi, tu pourrais me le dire, mais moi, je sais pas. Alors, on y va. Alors, vous allez voir, c'est vraiment chaud. Alors, je vais essayer de me concentrer. Parce que pour le coup, il est jouable, mais on n'a pas l'habitude. Donc, il faut s'y mettre... Voilà, et c'est un jeu un peu, voire beaucoup. Non, voilà, j'ai voulu sauter, et en fin de compte, j'ai appuyé sur le bouton pour me retourner. Et alors, il y a quelques petites anecdotes sur ce jeu. Hop. Alors là, faut que je saute. La musique est juste exceptionnelle. Vous voyez, j'arrête ma course, en fait, je saute, hop, et j'arrête ma course pour un peu, pour me recaler. C'est chaud. Il y a des checkpoints, comme je vous disais.
Je vais avoir du mal. Je vais avoir beaucoup du mal, beaucoup de mal, parce qu'il va falloir que je me retourne à chaque fois. Non, voilà, vous voyez. Vous voyez, en fait, c'est un truc de ouf. Et ce jeu, il me rend ouf. Au niveau gameplay, c'est juste horrible. C'est horrible. Je vous assure, c'est horrible. Et il y en a un qui arrive à bien jouer à ce jeu. Oh, et j'y arriverai pas. Et pour le coup, donc, ce jeu est sorti sur Mega Drive. Et dites-vous une chose qui est assez... Une chose étonnante, c'est que la version Mega Drive est graphiquement différente. C'est exactement les... J'ai fait une comparaison sur YouTube, il y avait des vidéos. Je les ai synchronisées ensemble. Et vraiment, pour le coup... Alors, attendez, je vais reprendre. Wouah ! Bah attendez, vous savez ce que je vais faire? Je vais mourir, et de toute façon, dans ce jeu-là, il y a de la démo. Donc on va pouvoir voir les stages en démo. Mais pour le coup, pour pouvoir les voir, il va falloir que je sorte du jeu, que je revienne dans le jeu, pour ensuite pouvoir lancer les démos. Et donc il est sorti sur Mega Drive, et il est plus beau! Il est carrément plus beau sur Mega Drive! Des décors carrément différents, certains boss qui vont changer, qui vont évoluer carrément. Donc là, vous allez pouvoir voir le gameplay. C'est pour ça que je... vraiment, je là, je vais pas pouvoir vraiment y jouer. Hein. Je peux pas y jouer. Il est vraiment trop spécial. Alors, il y a Strega 27 qui me dit tu joues sur un pad Saturn. Donc c'est de l'émulation qu'on fait. Parce que si je voulais faire Wawa Games Club, je suis trop hardcore. Vous me connaissez un petit peu maintenant depuis le temps. Et j'avais pas le choix, en fin de compte, c'était de me dire, il faut que je me bride dans pas mal de choses. Il faut moi-même que je me dise, non, Wawa, tu arrêtes, stop. Faut que moi-même, je me contrôle. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, je veux faire une émission simple, quelque chose d'assez simple. Et tout de suite après, oui, alors, ah ouais, console, ah parce que je peux brancher ça, une console. Eh, stop, je vous l'avais déjà dit lors d'une vidéo, je me dis, stop, arrête tes conneries, parce que franchement, tu t'en fais un peu trop, tu veux trop aller loin, toujours aller loin, etc. Donc vous voyez, le jeu est plutôt sympa, mais juste horriblement dur au niveau du maniement. Et donc ce jeu-là, sur Mega Drive, je vous disais, il est carrément plus beau. Mais vraiment plus beau, vraiment par exemple, il y a un stage style Maya, il y a des fresques, etc. Donc c'est un jeu, en plus, qui, pour le coup, est pas donné sur Mega Drive. Vaut mieux l'avoir en Genesis, en version américaine, parce qu'en version Jap, il est pas donné. Et... ce jeu-là devait sortir sous cette forme arcade en 97 ou 98 sur Saturn. Ça devait être une conversion parfaite. Et il existe, le prototype existe. Vous pouvez le choper sur Internet et vous pouvez jouer la version Saturn, Sega Saturn. Voilà. J'ai plein d'histoires sur des prototypes, des trucs de fou. Des prototypes sur Castlevania, des jeux avec des stages qu'on connaît pas, des trucs de fou. Mais je vous raconterai ces histoires une prochaine fois peut-être. Je sais pourquoi je suis venu à parler de cette anecdote. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. De ce jeu-là. Je pense qu'on va se laisser gentiment. Je sais pas si la... Ah si, Sonic! Sonic! Voilà, on va se laisser sur Sonic. En fait, elle est toute moisie, mon anecdote, mais... Mais pour le coup, je vais vous la raconter quand même, parce que bon, là, on est en fin de soirée, j'aurais dû vous la raconter dans la foulée. Alors, attendez, on va faire un petit truc, on va se mettre la petite musique de tout à l'heure, là. Allez, pourquoi pas, elle était bien sympa, cette petite musique. Elle est pas terrible, ça, là, regardez. Non, pas ça. Ça. Donc voilà, on va se laisser sur ça gentiment. Sur ma petite anecdote sur Sonic, le tout con en plus, mon anecdote. C'est en fait, je vous expliquais que... Alors je vous expliquais qu'à l'époque, en fait, j'aimais bien rester... Moi, c'est mon délire, c'est de rester devant les jeux et de les regarder. Voilà, c'est un kiff que j'ai. Je suis space, hein. J'aime bien regarder les gens, j'aime bien voir... moi, je peux prendre un jeu, une boîte d'un jeu, et puis la regarder, comme ça. Voilà. Vous savez, à l'époque, quand on était gosse, non pas que j'ai été... j'ai rien eu dans ma jeunesse, hein, j'ai été très gâté, en plus, ça s'est super bien passé, mais pour le coup, on n'avait pas ce qu'avaient les jeunes d'aujourd'hui.
Donc voilà, j'ai appris en fait à regarder un objet, le contempler. Voilà, alors répéter. Voilà. J'ai appris à le regarder, à l'admirer. Voilà, je fais partie de cette époque-là, de ces gens-là qui admiraient des jeux. Voilà, on n'avait pas grand-chose à l'époque. On avait un jeu, deux jeux, trois jeux, cinq jeux, et on y jouait en boucle et tout ça. Et donc, bref, voilà pourquoi je regardais. Et Sonic était sorti, en fait, c'est un pote un jour qui me dit « Mais putain, il y a un jeu de ouf qui sort, mais t'es pas au courant !» Mais dites-vous qu'en 90, Player One existait, c'était le seul qui existait, parce que je me souviens même qu'en 90, en 91, j'étais en colonie de vacances, et je vois ce fameux console plus qui sort, le numéro 0, qui était une déclinaison de... Parce que moi, j'ai acheté Joystick avec le supplément. Alors, si je dis pas de conneries, je crois que c'était ce console plus qui était la déclinaison, et non pas Joypad. Si, parce que GM Destroy était sur Joypad dès le début. Bon, je dis peut-être une connerie, mais peu importe. Moi, je regardais, je vois le fameux console plus, et mon pote m'en avait parlé. Et effectivement, je vois le magazine, je l'achète en colonie de vacances. Vous savez, on vous donnait en colonie de vacances, on vous donnait de l'argent de poche. Et ben moi, je m'achète mon magazine. Et putain, en rentrant à la colo dans ma chambre, je regardais le truc. Et il me rendait ouf, Sonic, c'était le numéro 0, il est sorti l'été, tu vois. C'est bien ça, si je dis pas de conneries, hein. Il y avait le poster et tout. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est que je regardais ce fameux truc, et voilà, j'ai passé mes colonies de vacances à regarder ce console plus. Et donc, quand il est sorti le jeu, parce qu'il a dû sortir en octobre, je crois qu'il est sorti d'abord en Europe et après au Japon. C'est d'ailleurs pour ça, autre petite anecdote, qu'il y a un scrolling avec des nuages en version européenne, c'est figé les nuages au-dessus quand il y a Sonic qui fait comme ça là. Mais les nuages sont figés, tous les nuages sont ensemble. Et en version japonaise, il y a un parallaxe différentiel, un scrolling différentiel entre les nuages, parce qu'il est sorti d'abord en Europe, et ensuite il est sorti au Japon, et ils ont eu le temps de repaufiner le jeu. Voilà, donc ça va, c'est quand même assez exceptionnel. Sonic est sorti d'abord en Occident plutôt qu'au Japon. En Europe, plutôt aux États-Unis, je crois, même pour le coup. Mais c'était là, on a eu la même version, nous, en Europe, on a eu la version américaine. Donc bref, Et donc quand le jeu est sorti, je dis à ma mère, bah, mais elle est toute pourrie, mon dégage, je sais même pas pourquoi je passe autant de temps. Et donc je dis à ma mère, allez vas-y, j'ai envie d'y aller. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu as? Non mais je veux juste le voir, je sais qu'il est à Euromarché. Il est à Euromarché. Et moi en fait, je me mets là pour vous voyez le beau t-shirt de Quantum Legacy, voilà. Et je lui dis, non mais je t'assure que je veux, et en toute... Alors je sais plus si je l'avais fait, c'était calculé ce coup-là, putain j'en sais rien, je m'en souviens plus. Et je dis, mais non, mais moi, je veux juste regarder. Et effectivement, il y avait un petit rayon et tout. Et je regardais le Sonic comme ça devant la vitrine. Et ça me faisait kiffer. Voilà, c'est des trucs super cons quand on est des gosses, quand on n'a pas de fric, quand il n'y avait pas Internet aujourd'hui. Et bah, à l'époque, on pouvait pas... voilà, et bah, je restais là. Et je regardais la jaquette, je la voyais, le jeu était dans la vitrine. Et voilà, je kiffais. Et je kiffais à l'époque. Et en fin de compte, c'était pas calculé. Et puis à la fin, ma mère, elle m'a dit... elle avait déjà dû calculer. Elle m'a dit, bon, vas-y, je te l'achète. Et là, mon cerveau, ça fait... Et je crois pas que j'avais calculé. Mon kiff, c'était vraiment de le regarder. Voilà, d'être devant et de le regarder. Voilà, je sais pas si cette anecdote vous aura plu. C'est mon anecdote. Voilà. Bon. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, bah voilà, vous sachez qu'il y a des lives. Qu'ensuite, la vidéo est disponible sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à venir sur le live. N'hésitez pas, à ceux qui sont sur le live, à me suivre sur Twitter, sur Facebook, comme ça vous savez quand il y a des lives, ils arriveront bientôt, quand la technique sera opérationnelle, quand ce sera vraiment très carré, et cette émission n'aura pas la forme que vous voyez aujourd'hui, dans le sens, dans le fond, dans les trucs, il y aura des invités, il y aura, au-delà des invités, il y aura du jeu récent, etc. Donc voilà, donc j'espère que vous adhérerez quand même au truc, et de temps en temps, il y aura des petites émissions comme je viens de faire là, à l'instant, où je serai tout seul ou accompagné. J'ai déjà des thèmes, des jeux que je vais tester, et que je sais que je ne pourrai pas faire en mode... plateau avec 4 personnes, etc., qu'on pourra faire qu'à 2. Donc voilà, abonnez-vous sur la chaîne de YouTube, venez sur Twitter, sur Facebook, on fera la fête quand l'émission sera disponible. À bientôt, et n'hésitez pas, ne bougez pas, parce qu'on reste pour ceux qui sont en live, c'est le rituel, quand on finit le live, on est encore ensemble, mais vous êtes sur YouTube, donc vous pouvez pas suivre ce rituel. Allez, à plus, n'hésitez pas à vous abonner !